Nuit du 23 au 24 janvier 2007. Cette nuit, je débarque dans une épicerie sans slip ni pantalon. Je suis venu chercher du papier journal pour emballer mes légumes. L'épicière me file un magazine, je le feuillette et c'est plein d'images de cul. Quelle coquine que je me dis. Après, l'épicière me nettoie un bout de coton que j'ai au bout de la bite. Plus tard, sur la scène du théâtre, je dis bonjour à un tas de jeunes actrices. Pour leur dire bonjour, je mordis leurs lèvres intérieures, la tire et la relâche comme un élastique. Regard émerveillé des adolescentes, je suis aux anges. Décembre 2006. La nuit commence dans une cage à observer des requins. Tout est beau et bleuté. Le problème, c'est que le requin est enfermé dans la cage avec nous, les plongeurs. On se bat un peu, mais on n'est pas de taille. Le sang dans l'eau, c'est tout de même magnifique, ça fait du violet. Plus tard, dans une sorte de squat, j'ai une embrouille avec des punks à chiens et leurs meufs. On règle ça à coups de couteau de boucher. Certains meurent, d'autres pas. Il y a du sang partout, très poisseux. Finalement, il reste que moi, bien blessé, et une fille. Elle me dit « Bon, je vais faire la vaisselle. Je suis pas con à ce point. Quand elle empoigne le couteau de cuisine, je lui ai déjà totalement ouvert le ventre. » Là, elle se met à pleurer et me demande ce qui va se passer. Elle redouble de pleurs lorsque je lui dis que ses intestins vont se répandre dans sa culotte. Alors je décide de l'égorger. Je vais m'y reprendre à trois fois. C'est pas si facile l'égorgement. À la fin, je m'exclame, comme pour faire une blague dans mon rêve, « Ah, eh bien, chapeau bas, Al-Qaïda !» Parce que eux, ils y arrivent en une seule fois. Nuit du 31 janvier au 1er février 2007. Je suis avec un nain. Il n'est pas très beau avec ses gros membres boudinés et sa petite moustache, mais apparemment c'est mon mec, vu que je l'encule pas longtemps après. C'est assez facile parce qu'il est plutôt maniable. Nous sommes au premier étage d'un magasin de fringues, il y a des portants partout. Maintenant ils sont deux, mes nains, et puis ils s'habillent en cuir et en chaîne. Le nouveau a un costume de Catwoman. C'est assez ridicule. Bon, je m'assois avec mes parents et ma sœur dans un canapé. On regarde les nains batifoler. Et là, ça devient dramatique. Par une porte située de l'autre côté de la salle, entre Mademoiselle Gouffaut, une vieille fille amie de ma mère qui n'a jamais vu le loup. J'ai vraiment peur qu'elle voie les nains habillés comme ça. Je m'étonne devant mes parents. Mais elle est là, Mademoiselle Gouffaut ? Tout va très vite, je fais des grands signes de main pour attirer son attention et ma sœur fait sortir les nains par une autre porte. Pour faire diversion, elle fait comme si c'était des enfants en leur criant « Allez dans votre chambre !» Et ça me réveille.